Horoscope de la semaine. Du 24 septembre au 30 septembre. Horoscope Bélier. Amour. Couple. La vie de couple sera favorisée, ce sera le moment d'en profiter pour embellir votre vie. Même si vous avez beaucoup à faire, essayez de consacrer un peu plus de temps à vos amours. Aussi, apprenez à faire l'amour de façon à donner et à retirer le plus de satisfaction possible. Célibataire. Les influx paisibles de Vénus vous inclineront à donner la priorité aux sentiments. Une union contractée cette semaine sera très favorisée, à condition toutefois que vous vous efforciez de ne pas trop envahir ou étouffer l'être aimé. Argent. Cette semaine plus que jamais, abstenez-vous de faire des affaires avec des inconnus. Essayez plutôt de réaliser un projet financier dont vous parlez en famille depuis longtemps. Santé. Vu la concentration en énergie de Mars, vous démontrerez une fois de plus que vous êtes solide comme un roc. Simple précaution, Mars peut vous exposer à divers petits accidents domestiques. Redoublez de prudence. Travail. La chance jouera en votre faveur. Elle sera propice à la réussite de quelques coups d'audace. Mais n'en abusez pas. Il vous faudra user de beaucoup de tact et de diplomatie si vous travaillez en équipe ou si vous dirigez du personnel. Abstenez-vous de hausser le ton et restez courtois dans vos propos. Famille. Vous serez bien décidé à faire un effort si dehors, continuez à vous opposer à vos parents ou à certains membres de votre famille. Une belle réconciliation devrait clore définitivement la dissension qui infestait l'atmosphère familiale depuis bien longtemps. Citation. On réussit souvent mieux avec la queue de renard qu'avec la griffe du lion. Horoscope Taureau. Amour. Couple. Cet aspect de la planète Saturne peut semer du trouble dans votre vie de couple. Si une rupture semble possible, ne prenez pas de décision hâtive, vous risquez d'aller plus loin que vous ne le souhaitez. Célibataire. D'importants changements pourraient intervenir dans votre vie affective sous l'action coercitive de Pluton. Pour quelques-uns d'entre vous, une rupture, suivie immédiatement d'une nouvelle rencontre, chamboulera l'existence. Pour d'autres, une amitié amoureuse prendra de l'importance. De toute façon, il serait vain de vous attendre à un calme plat. Argent. Attention, la lune en cet aspect vous incitera aux dépenses fâcheuses. Vous feriez mieux d'y regarder à deux fois avant d'ouvrir votre porte-monnaie. Écoutez un ami qui pourrait déjouer un abus de confiance. Santé. Ce qui va vous peser, ce sera l'influence de Neptune mal aspectée. Vous aurez probablement quelques vagues douleurs. Heureusement, Pluton exercera son influence bénéfique et vous protégera d'une certaine façon, en renforçant vos défenses immunitaires et en vous donnant une bonne résistance physique. Travail. Attention. Il y aura, dans votre présente situation professionnelle, un côté abrupt ou impulsif susceptible de vous faire agir dans le mauvais sens. Si vous cédez à votre penchant actuel, vous provoquerez des heurts fâcheux avec vos supérieurs ou collègues. Il faudra coûte que coûte éviter que cela puisse arriver. Famille. Des transformations importantes devraient intervenir dans votre environnement familial. Vous avez beau redouter l'inconnu, vous ne serez pas mécontent d'avoir à modifier vos habitudes cette fois-ci. Pour certains natifs, un changement de résidence pourrait avoir lieu. Pour d'autres, s'annoncera la prochaine venue d'un nouveau bébé. Citation. De même que le fleuve retourne à la mer, le don de l'homme revient vers lui. Horoscope Gémeaux. Amour. Couple. Perturbation dans votre couple en raison des turbulences planétaires très fortes. Si vous désirez continuer votre route avec votre partenaire actuel, il sera nécessaire de modifier les bases de cette relation. Faites-vous aider par des personnes compétentes. Célibataire. Vous pourriez vous rendre compte qu'il ne peut exister aucune réelle compatibilité entre vous et votre partenaire du moment, surtout si c'est un natif du Sagittaire. N'essayez pas de maintenir ces relations en attendant quelque chose de mieux, car, ce faisant, vous pourriez causer beaucoup de peine à l'autre et beaucoup de tort à vous-même. Argent. Méfiez-vous des opérations financières trop risquées. Avec Pluton en cet aspect, redoublez de prudence si vous devez traiter une affaire de grande importance. Exigez des garanties écrites. Santé. Uranus et Jupiter influençant tous les deux vos secteurs santé, ça demande un peu de vigilance. Si vous respectez vos rythmes de sommeil et que vous observez une alimentation équilibrée, vous n'aurez pas de soucis à vous faire, vous pourriez même avoir la grande forme. L'important, ce sera de mener une vie bien réglée et calme. Travail. Vos forces, canalisées dans la voie de la raison, vous permettront de fournir des efforts qui donneront de bons résultats et vous feront aboutir dans vos entreprises. Le climat de désordre et de violence qui vous a agité ces derniers temps n'aura plus prise sur vous. Donnez une forme concrète à vos idées et projets, et prenez le temps de réfléchir à la meilleure façon d'établir des contacts utiles à votre carrière professionnelle. Famille.
Une certaine tension dans votre foyer semble inévitable, compte tenu de cette ambiance astrale. Mais tout pourra s'arranger si vous vous montrez tolérant et réceptif. À vrai dire, la racine de vos petits problèmes familiaux actuels se trouve dans votre intransigeance habituelle. N'élevez pas la voix et écoutez bien ce que chaque membre de votre famille a à dire, et alors l'atmosphère se détendra très vite. Citation. Notre vrai tombeau n'est pas dans la terre, mais dans le cœur des hommes. Horoscope Cancer. Amour. Couple. Côté cœur, vous vous montrerez sensuel et enthousiaste. Mais attention, ne vous emballez pas sans réfléchir. Sinon, gare aux conséquences très fâcheuses. Attention également à ne pas laisser s'installer des bouderies sans fin. Célibataire. Si vous êtes en cœur à prendre, vous pourriez bien rencontrer le grand amour au cours d'une réunion de famille ou une fête villageoise cette semaine. Ne soyez ni timide ni cynique, et Cupidon vous récompensera richement, au-delà de toute attente. Argent. À propos d'une succession en cours ou d'un héritage en vue, vous devrez être sur vos gardes, car on pourrait chercher à vous nuire. Veillez à ce que tous les documents soient parfaitement en ordre. Bonne rentrée d'argent en perspective. Santé. Pas de problème de santé majeur à craindre. Mais pour vous maintenir en pleine forme, surveillez votre alimentation. Tâchez de ne pas abuser de la viande et augmentez votre consommation de légumes frais. Travail. Si vous avez des initiatives professionnelles à prendre, faites le nécessaire en ce moment, car la planète Uranus sera en bonne position dans votre ciel. Cet aspect astral intensifiera votre sens de l'organisation et vous aidera à mieux vous imposer. Prenez toutes les dispositions utiles, mais sans sortir du cadre de vos occupations ou obligations habituelles. Famille. Le superbe soutien de Vénus vous promet pour cette semaine des joies profondes, peut-être un projet d'embellissement de votre logement, une évolution favorable de votre vie familiale, ou l'annonce d'un grand bonheur sous votre toit. Citation. Pour épargner un clou, on perd un cheval. Horoscope Lion. Amour. Couple. Vous compterez sur votre partenaire pour se montrer indulgent et fermer les yeux sur vos escapades. Ne vous faites tout de même pas trop d'illusions. Si vous poussez l'autre à bout, il risque de réagir avec une violence qui vous surprendra. Soyez prêt à faire amende honorable. Célibataire. Vous aurez vraiment envie de vous marier. Mais vous hésiterez de passer devant monsieur le maire ou monsieur le curé, ne sachant si l'amour et le mariage peuvent coexister comme vous le souhaitez. Ah, cruel dilemme, que personne ne peut résoudre à votre place. Il est cependant évident que qui se marie par amour a de bonnes nuits et de mauvais jours. Argent. Ce ne sera pas le moment de se lancer dans des spéculations hasardeuses. Tenez-vous-en en valeur sûre. N'essayez pas d'imposer votre volonté à contre-courant, vous pourriez être balayé de manière irrémédiable. Santé. Avec la visite de Mars en charmant aspect, tout devrait continuer d'aller pour le mieux côté santé. Mais méfiez-vous de l'effet euphorisant de cette planète. Elle vous incitera à faire bonne chère de façon excessive. Travail. Après une période embrouillée par suite de négligence, ce sera maintenant le moment de remettre de l'ordre dans vos affaires ou de résoudre un problème professionnel qui vous préoccupait. Ensuite, tout va bouger pour vous dans le bon sens, et ce sera à vous d'en tirer parti en faisant des démarches, en recherchant des contacts utiles ou en sollicitant des appuis. Famille. Soyez très diplomate avec votre entourage familial. Si vous vous montrez trop intransigeant, vos proches se rebelleront, feront front contre vous. Et c'est vous qui souffrirez le plus d'une telle situation. Citation. On apprend peu par la victoire, mais beaucoup par la défaite. Horoscope Vierge. Amour. Couple. Embellis côté cœur, car Vénus se mettra à vous protéger. Période faste pour les couples. Si vous sortez d'une longue période de dispute, profitez-en pour renouer un vrai dialogue. Célibataire. Une importante décision, prise cette semaine sous l'impulsion de la planète Jupiter, devrait vous permettre de vous libérer d'une situation amoureuse très contraignante. Mais, comme toujours, lorsqu'on tranche dans le vif, cela n'ira pas sans douleur. Heureusement, la Lune sera tout bénéfice pour vous, et vous aurez assez de force pour tenir le coup. Argent. Pourquoi ne pas acheter un billet de loterie quelconque? Avec la chance que vous avez en ce moment, vous pourriez gagner le gros lot ou du moins sauver votre mise. Mais ne dépensez pas ce que vous n'aurez pas gagné. Santé. Avec Mars comme compagnon de route, vous ne manquerez ni d'allant, ni d'énergie, et vos défenses naturelles fonctionneront efficacement. En outre, les troubles liés à une grande tension nerveuse s'atténueront. Travail. Sous les auspices de Jupiter, les activités touchant à la politique ou aux relations sociales pourront vous être profitables, surtout si l'argent n'est pas votre but essentiel ou immédiat. Les autres travailleurs tireront de grandes satisfactions de leur métier. Famille.
il est probable que certains de vos proches parents vous mènent la vie dure. Ils chercheront à s'immiscer dans vos affaires et rien ne peut vous mettre plus en colère. Tâchez de garder votre calme, ou la situation ne fera qu'empirer. Cela ne veut pourtant pas dire que vous devrez laisser faire. Citation. Les douleurs légères s'expriment. Les grandes douleurs sont muettes. Horoscope Balance. Amour. Couple. Il y aura de remue-ménage dans votre vie à deux. La passion pourrait bien faire irruption dans votre existence et tout bousculer sur son passage. Vous seriez prêt à suivre votre nouvel amour jusqu'au bout du monde, ou encore à divorcer sur le champ si votre couple bat de l'aile. Prudence, prudence. Prenez au moins le temps de la réflexion, ou vous risquez de regretter amèrement d'avoir agi sur un coup de tête. Célibataire. Ne soyez pas si abattu à cause de vos dernières déceptions sentimentales. Vous n'avez pas perdu votre vie pour autant. La maladie d'amour ne tue que ceux qui doivent mourir dans l'année. Allons, du courage. Relevez-vous et repartez à la conquête de l'amour. Celui-ci se trouvera au bout de votre chemin, soyez-en certain. Argent. Vous serez en mesure de réaliser des transactions financières fructueuses. Cette semaine sera un moment particulièrement favorable pour procéder à l'achat ou à la vente d'un terrain ou d'une maison de campagne. Santé. Vous aurez cette fois une vitalité privilégiée, sous la houlette de Mars. Vous vous sentirez capable de soulever les montagnes. Ajoutons à cela une psychologie plus optimiste et hardie que celle qui marque ordinairement votre signe, caractérisée par une inquiétude latente. Profitez de ces influx favorables pour vous débarrasser de ces peurs diffuses qui souvent vous envahissent et gênent votre marche en avant. Travail. Dans votre métier, plusieurs possibilités s'ouvriront devant vous, et vous saurez faire le bon choix dans une voie qui demande du tact, de l'habileté et de bons contacts humains. Vos activités deviendront intenses, et vous saurez à faire preuve de compétences. Le travail bien fait va vous apporter de grandes satisfactions. Famille. Vous aurez des relations privilégiées avec vos enfants. Profitez-en pour aider ceux-ci à régler un problème personnel ou scolaire qui les perturbe. Citation. Celui qui élève sa parole aime sa ruine. Horoscope Scorpion. Amour. Couple. Dans votre vie conjugale, vous récolterez cette semaine exactement ce que vous aurez semé, tendresse et complicité si vous avez fait un effort de communication. Bouderie et dispute si, au contraire, vous avez passé ces derniers temps à faire cavalier seul. Célibataire. Côté cœur, vous aurez beaucoup de cran. Si vous vous trouvez confronté à une situation de crise, vous saurez trancher dans le vif avec une froide détermination. En tout cas, vous refuserez la médiocrité. Argent. La planète Uranus, en mauvaise position, vous poussera à jeter votre argent par la fenêtre. Prenez garde à ne pas vous laisser entraîner dans des achats futiles et des dépenses de prestige. Du self-control. Santé. Bonne santé de base pour tous les natifs du signe. Pour ceux qui souffrent de troubles chroniques, un nouveau traitement entrepris cette fois pourra apporter de nettes améliorations à leur état. Quant aux natifs hyper nerveux, ils ne seront probablement pas à l'abri d'une certaine morosité, gênante mais sans gravité. Faites-vous masser, vous verrez la vie d'un œil nouveau. Travail. Dans le travail, concentrez-vous sur un objectif précis. Ne prenez pas d'engagement trop rapidement si vous ne voulez pas vous retrouver face à de nombreux désagréments. La réflexion et la circonspection seraient vos meilleures conseillères cette semaine. Famille. Vous aurez peut-être cette semaine le coup de chance vous permettant de trouver le logement qui convient vraiment à votre famille et qui vous apportera une satisfaction psychologique certaine. Vie familiale très agréable. Citation. Celui qui endurcit son cœur tombera dans le malheur. Horoscope Sagittaire. Amour. Couple. Pour les couples de longue date, l'usure du temps se fera cruellement sentir cette fois. Vous devrez déployer des trésors d'imagination afin de rompre avec le train-train quotidien et de retrouver l'enthousiasme des débuts de votre union. Célibataire. Vous serez peut-être un peu trop désabusé pour remarquer les occasions qui se présenteront cette semaine à vous sur le plan amoureux. Sachez pourtant qu'un nouvel amour peut apporter un air de fraîcheur dans votre existence. Bon Dieu, réveillez-vous donc. Argent. Plusieurs planètes bénéfiques feront passer votre situation matérielle au premier plan. Vous serez en position d'équilibrer votre budget et même d'accroître votre pouvoir d'achat. Santé. Votre santé n'aurait jamais été aussi bonne. C'est bien, c'est même très bien, car la vie est dans la santé, non dans l'existence. Mais que cela ne vous amène pas à abuser de votre force et de votre énergie. Il faudra surtout veiller à ne pas les éparpiller. Continuez à mener une vie saine, bien réglée et sans stress. Travail. Le développement de vos affaires ira à grands pas, car vous serez plein d'idées constructives et saurez prendre les contacts utiles à l'épanouissement de votre carrière.
de nombreuses occasions se présenteront, soyez prêt à les saisir et à en tirer bon parti. Mais vous risquez de tout gâcher si vous vous laissez aller à de brusques mouvements d'humeur ou si vous dépassez les limites de vos forces. Famille. Vous ne vous débrouillerez pas si bien que ça dans votre vie familiale. Tantôt avide de tendresse, tantôt distant, vous dérouterez ceux qui vous aiment. Si vous continuez dans cette voie, un mur d'incompréhension risque de se dresser entre vous. Citation. La mouche va si souvent au lait qu'elle y demeure. Horoscope Capricorne. Amour. Couple. Vénus en mauvais aspect pourra provoquer des événements surprenants dans votre vie à deux. Si votre couple bat de l'aile, vous serez d'humeur à prendre une décision radicale. Pourtant, avant de rompre sur un coup de tête, vous feriez bien de vous donner le temps de réfléchir. Sachez qu'il est toujours plus facile de détruire que de construire. Célibataire. Vous pourriez vous laisser attirer par les avantages matériels qu'une personne peut offrir au lieu de chercher à voir si l'amour sincère est susceptible ou non de naître entre vous deux. Si vous cédez à cette tendance, vous pourriez aller au-devant de sérieux tracas et ne gagner ni l'amour ni l'argent. Argent. Un vent de folie soufflera au-dessus de votre tête cette semaine. Rien ne vous arrêtera. Vous aurez envie de dépenser sans compter et de vivre comme vous l'entendez. Attention, ne vous dirigez pas vers une impasse. Santé. Pas de planète influençant les secteurs de votre thème liés à la santé. Résultat, une forme physique et morale à toute épreuve, qu'il s'agira de ne pas compromettre en menant une vie désordonnée. Gare aux excès de table. Ménagez votre estomac et votre foie. Travail. Si vous prenez des décisions sous le coup de l'irritation, ou contre l'avis de vos associés ou de vos supérieurs, il faudra vous attendre à des conflits où vous ne serez pas le plus fort. Le mieux serait de rechercher le compromis et la concertation, même si vous êtes persuadé d'avoir raison. Pour protéger vos intérêts, ne faites rien qui puisse vous mettre dans votre tort, et n'inventez pas vos projets. Famille. Vous apprécierez plus que de coutume le confort de votre foyer? Le contraire serait étonnant. Aussi, faites l'effort de laisser vos soucis sur le paillasson et n'ennuyez pas vos proches avec vos préoccupations professionnelles ou sociales. Citation. Le courage croît en osant et la peur en hésitant. Horoscope Verseau. Amour. Couple. Cet aspect de Saturne concerne avant tout la vie de couple. Marié, vous ferez tout pour vous rapprocher de votre conjoint, qui sera aux petits soins pour vous. Célibataire. Vénus vous promet des joies profondes. Les aspirations de votre cœur seront assouvies. Vous passerez sûrement la période plein de gaieté et d'entrain. Beaucoup d'entre vous commenceront ces jours-ci à vivre une romance amoureuse qui leur procurera d'immenses satisfactions. Argent. Saisissez les chances financières au fur et à mesure qu'elles se présenteront. Vos affaires vont être bien protégées. Mais que cela ne vous dispensera pas de faire preuve de prudence. Santé. Pas de problème de santé particulier en ce moment, les astres régissant la vitalité étant tous bien aspectés. Vous semblerez même être invulnérable aux microbes et virus qui se baladent. Si vraiment vous ne vous sentez pas en forme, ce sera plutôt dû à un bouleversement affectif. Travail. Cet aspect d'Uranus assez violent verbalement peut vous être utile si vous désirez affronter un employeur peu aimable, ou vider un abcès dans une querelle avec quelqu'un qui travaille avec vous ou pour vous. Bon rendement dans votre travail. Famille. Les contraintes familiales commenceront à vous peser. Par réaction, vous serez tenté de faire moins de concessions que vous n'en faisiez auparavant, dans un souci de préserver l'harmonie de votre foyer. Ce faisant, vous surprendrez votre entourage. Prenez un peu de recul afin de ramener votre courage. Citation. C'est le cœur qui sent Dieu, et non la raison. Horoscope Poisson. Amour. Couple. L'amour conjugal brillera bien haut dans votre ciel. Votre partenaire redoublera d'attention et de gestes tendres à votre égard. Mais ne vous endormez pas sur vos lauriers. Restez extrêmement circonspect dans vos propos si vous voulez que l'harmonie se maintienne dans votre vie de couple. Célibataire. Cette semaine, vous aurez tendance à rêver un peu trop et à tomber amoureux d'une personne dont vous savez parfaitement qu'elle ne vous conviendra pas. Allez, oubliez-la, sinon cette aventure sans issue vous donnera des migraines chroniques et des regrets éternels. Mais déjà une autre personne, faite pour vous celle-là, se trouvera dans vos parages. Argent. Votre situation matérielle devrait se développer à partir de cette semaine. Vous pourrez faire des placements intéressants en moyen terme, et effectuer des transactions financières fructueuses. Chance au jeu. N'oubliez pas de consulter votre nombre de chances. Santé. Avec l'influence de Mars et d'Uranus, ce tandem actif et remuant, vous afficherez une forme que beaucoup vous envieront. À surveiller cependant, une nervosité qui pourrait perturber votre sommeil et accentuer un petit risque accidentel. Si vous faites du sport, allez-y doucement. Travail.
La planète Neptune vous permettra d'affirmer votre personnalité et de prendre des dispositions utiles au développement de votre carrière. N'hésitez pas à entreprendre les démarches qui vous attireraient des sympathies et des appuis. Famille. Vos relations avec l'entourage familial risquent de se détériorer brusquement. Même si vous vous estimez parfaitement dans votre droit, acceptez de faire les quelques concessions qui permettraient une réconciliation. Citation. Ce sont les petites pluies qui gâtent les grands chemins,